commencer la visite. Je vous invite à nous suivre, on va faire tout le cheminement des volailles, savoir ce que vous avez, comment c'est fait ici, savoir tout ce qu'il y a derrière le produit que vous avez. D'accord. Je vous invite à me suivre. Allez-y, rentrez. On commence la visite par le laboratoire pour des raisons de propreté, si vous faire. Donc ici, vous êtes dans la salle d'accueil des animaux. Donc, le magasin chez nous est ouvert le vendredi après-midi, samedi matin. Et on prend les commandes jusqu'à 17h, tout simplement parce qu'à 17h, on fait le point sur ce que vous avez commandé, savoir ce qu'il nous faut en animaux pour aller les prendre, pour les préparer le lendemain matin. Donc le mercredi soir, on prend les volailles, elles sont stockées ici, elles passent la nuit tranquillement en caisse, et ensuite le jeudi matin, on s'occupe d'elles. Donc on est en abattage, conventionnel, là, c'est pas d'abattage rituel. Donc chez nous, les animaux sont anesthésiés. Donc on a pour ceci, on a si vous voulez avancer un petit peu, de toute façon on va suivre après. Donc vous pourrez voir en passant, donc on a ici deux électrodes. On a des électrodes ici qui vont permettre d'anesthésier la volaille. On vient leur placer la tête entre les électrodes. Et on va avoir un courant électrique qui va passer. Ça vient les assommer, c'est instantané, de manière d'anesthésier. Ça s'appelle, c'est un anesthésieur volaille, donc ça vient anesthésier la volaille. Donc elle est inconsciente. Donc elle est toujours bien, toujours vivante. C'est important que le cœur continue à battre pour pouvoir avoir une bonne saignée derrière. Une fois que la volaille est anesthésiée, on vient l'accrocher sur les étriers par les pattes et on vient la saigner. Donc on vient piquer la carotide. On présente les volailles à l'ancienne avec la tête. Donc on vient piquer les carotides de l'intérieur. La chaîne avance. À cette vitesse-ci. Bon. Ça semble pas très rapide, mais à cette vitesse-là, on tourne, on accroche un poulet tous les deux crochets, par exemple. On tourne autour environ de 110-120 poulets. Donc on avait dit que la volaille donc arrivait ici. Donc là, on a le bac de saignée. Donc elle était juste inconsciente. On la saigne pour que le cœur continue à battre, pour bien évacuer le sang. La volaille est une viande blanche, donc c'est important, à la fois pour les qualités gustatives et sanitaires aussi de la viande. Donc la volaille meurt ici environ, et ensuite, donc là à bout de sang, et elle descend dans le bac d'échaudage. Donc le bac d'échaudage, c'est le bac qui est ici. Dans le fond, il y a une turbine avec deux lumières. Donc c'est un bac à cascade où l'eau vient recracher par-dessus. Et donc c'est un bac comme son nom l'indique, un bac à cascade. Donc pour bien humecter la volaille, et en plus il y a une résistance qui nous permet de maintenir l'eau au dixième de degré près. On règle au dixième de degré près la température de l'eau, ce qui est très important, ce qui fait qu'on a une eau d'échaudage. Je parle bien d'échaudage. Et nous, quand on le fait à la main, on ébouillante les volailles. Chez nous, on échaude les volailles. Ce qui est important, et on est à une cinquantaine de degrés. Donc la nuance est très importante, parce que ça va nous permettre de garder une peau qui est crue. Et pour les qualités, justement, de conservation sanitaire d'ailleurs, c'est très important. Et la température de l'eau est en partenariat avec la plumeuse qui est derrière vous. Donc ça, c'est la plumeuse. Donc là, vous avez des doigts en caoutchouc. Vous allez mieux voir. Donc vous avez les doigts en caoutchouc. Donc la température de l'eau va permettre d'humecter la plume et de garder les pores de peau ouverts pour que la plume puisse être libérée facilement. Les doigts caoutchouc vont tourner, et l'avantage, c'est qu'ils vont avoir
Le fait que ce soit mouillé, le doigt caoutchouc va glisser sur la peau, par contre, il va accrocher la plume. Donc, on a une rampe d'aspersion qui continue d'arroser la volaille sur le long de la plumeuse. Donc, ce qui est très, très important, si on ne faisait pas, ça ferait l'inverse. Alors, je ne vous dis pas les dégâts. Voilà, et puis donc la température de l'eau qui joue sur justement l'effet de pouvoir arracher la plume ou pas. Les volailles sont plumées, on part fait la plumaison, donc on a une plumeuse à disque et puis nos petits doigts. Voilà, pour présenter la volaille au mieux. Donc là, il y a un opérateur ici, troisième opérateur qui va sur le pit d'effilage. Donc là, il manque des morceaux parce que. Voilà, il est démonté. On va pas le laisser monter parce que c'est des petits tours, c'est des choses. Et cet appareil-là va permettre de découper. Donc, on a un couteau circulaire qui est branché sur un système d'aspiration. Donc, ça va venir nous découper le cloaque. Le cloaque, c'est l'anus de la volaille. Voilà. Donc, ça vient découper le cloaque et en même temps, ça ouvre la vanne d'aspiration et ça vient aspirer tout ce qui est viscère. Donc d'un point de vue facilité de travail et propreté, donc en même temps que ça découpe, ça aspire. Donc c'est impeccable du côté sanitaire, donc on est toujours à faire attention justement au risque de contamination. Cet opérateur-là, donc il effile, donc cette opération-là, ça s'appelle l'effilage, et ensuite il va déjaboter. Donc la deuxième opération, il va venir ouvrir le cou pour enlever la première partie du tube digestif, la trachée, le jabot, l'œsophage. Voilà pour le buisson de jabot, c'est déjà bon. Quatrième opérateur, donc il est après, et là il va venir enlever les viscères de la volaille. Donc le foie, les gésiers, les foies, elle va le nettoyer, enlever le fiel, le remettre à disposition pour l'étape d'après. Le gésier, on les fait à part. Et puis on nettoie les têtes, puisqu'on nettoie les. C'est le seul endroit où on nettoie avec de l'eau, parce que vous voyez, on fait tout à sec, le maximum. Parce que l'eau, on pense nettoyer avec de l'eau, mais en fait, on ne nettoie pas, on étale. Ouais. Donc on n'utilise pas d'eau. Et ce qui va arriver sur l'étape suivante, qui est avec le pistolet d'aspiration, là, on va aller aspirer les poumons, les reins, on fait donc toujours tout à sec. On remet le foie dedans, on vient couper les pattes, on met en forme, on met sur chariot, et quand le chariot est là, chambre froide, et soit on livre dans les boutiques avec qui on travaille, dans les différentes imprimantes, ou ici au magasin. Et donc vous allez retrouver ici, autrement, avec tous les points de vente avec lesquels on travaille, donc je ne sais pas d'où vous êtes, mais on est pas mal sur Le Mans par exemple. On a la fabrique d'aliments. Donc, on a parlé du blé. Donc voilà, les matières premières sont ici. On a le blé. On a la févrole. Le maïs. Hop, on va pencher. Alors, donc sur ce qui reste, on a du tourteau, qui est du tourteau de Colza et de tournesol. Chez nous, on n'utilise pas de soja, pas d'OGM. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'OGM. Et ensuite, les minéraux. Et au final, tout ça, c'est pré-mélangé ici, broyé, et on remélange une seconde fois. Donc, ce qui fait que l'aliment final, il est sous cette forme-là. Vous voyez, on peut voir les morceaux de maïs, de blé, de févrole dans l'aliment. L'objectif de mélanger, c'est déjà qu'on fasse une ration qui soit équilibré pour que les animaux puissent se développer en pleine santé. Et oui, bah là il reste la fine parce que mais oui il mange c'est concassé. Voilà, le grain de blé en gros il est coupé en 4 et puis le maïs coupé en 6 à peu près pour vous donner une idée de la taille. Et l'objectif de ça justement c'est que les animaux ne trient pas. Parce que sinon, ils vont aller trier. Il y en a un qui va mieux aimer le blé, il va manger que du blé. Et l'autre, il va mieux aimer le maïs, il va manger que du maïs. C'est sûr. Et derrière, vous, vous n'allez pas être content. Parce que si vous nourrissez une volaille que au blé, ça ne va pas être bon.
et vous n'allez pas avoir du tout les mêmes textures, les mêmes goûts. Voilà, vous allez avoir une graisse blanche qui va être dure. Si vous nourrissez comme maïs, vous allez avoir une graisse qui va être jaune et qui va être liquide, et de l'huile. Donc les rations sont faites justement par rapport à ça, par rapport à nos attentes, aux besoins de la volaille et aux attentes par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Et puis il faut aussi qu'ils mangent les minéraux, les vitamines. Donc voilà, donc tout mélanger, on ne peut pas trier et voilà. On leur apprend à manger tout comme ça. Et maintenant, l'élevage. Donc l'élevage, il est en plein air, dans les chalets en bois que vous pouvez voir, c'est notre particularité. Donc nos volailles sont 100% en plein air parce que à partir du moment où on juge qu'elles sont susceptibles de pouvoir aller dehors, la porte est ouverte et elles y vont nuit et jour comme elles le souhaitent. Voilà. C'est quoi midi ? Alors ce midi, on a fait avec les volailles de Guillaume Loyer un rouleau de volailles farcies aux petits légumes. Tout désossé. Et avec les carcasses et puis les légumes bio de là-bas, on a fait un écrasé de pommes de terre aux petits légumes et une sauce, comme dans le temps, une crème paysanne pour aller avec le poulet. Ça devrait pas être mauvais. Ça devrait pas être mauvais. Alors donc Marie Beaufils, je suis éleveuse de chèvres Angora sur la commune de Roisey-sur-Sarthe à côté de la Suze où j'élève des chèvres Angora. Donc c'est originaire de Turquie, ce sont des chèvres qui sont originaires de Turquie et ces animaux-là en fait font la laine mohair. Donc je produis de la laine mohair, je tonds mes animaux deux fois par an, donc en février et en août, et je récupère ma laine 8 mois après transformation. Donc soit en pelote, soit en gants, en chaussettes, etc. Selon les commandes que je fais. Alors du coup, tout à l'heure, on a vu les animaux. Et donc les animaux, en fait, vont donner cette laine mohair, comme j'expliquais, au bout de 8 mois de transformation. Donc les animaux sont tondus. J'envoie ma laine brute. Et puis après, la laine va être filée, cardée, mise en ruban et teinte pour retrouver donc les produits qui se trouvent sur la table. Donc selon les commandes que je fais, donc soit en pelote et après on va en tricoter, soit je vais récupérer des gants, des bonnets, des écharpes, des chaussettes, etc. Est-ce que c'est vous qui les tricotez ? Alors une partie, c'est ma belle-mère qui en tricote pour beaucoup. Voilà. Non, c'est vrai que c'est... Alors, voilà, quand les pelotes arrivent, on en a quand même une grosse partie maintenant qui est tricotée. Donc, voilà, on se noude en bonnet, en béret, en écharpe également. Voilà. Et puis, on retrouve des produits plutôt tissés, plutôt plutôt chaussettes ou gants. Deuxième Festiferme, voilà, changement de nom, plus qu'une porte ouverte, un Festiferme. Parce qu'on va au-delà de tout ça en proposant un marché de producteurs, comme vous pouvez voir autour de nous.
On est plus d'une douzaine de producteurs. Donc on a du vin de Chinon, Loyer, la ferme des Racines en fromage de chèvre. On a également du lapin de Rosy Trassard, Rosy Lapin pour les intimes. On a même de la laine de chèvre, c'est quand même, voilà, c'est autre chose. On a les pommes de chez Patrice Fourier, on a la viande de bœuf de chez Éric Loyau, du miel de chez des ruchers Belmontet, du fromage de brebis qui nous vient de Lissé-sous-Lude, de la ferme des Deux-Èvres. On a encore du vin du Vouvray, du porc qui nous vient de la ferme des Janvries, saveur des Janvries. Donc à Souillé, la Basoge qui est venue avec son fromage de vache, voilà, avec Céline, et puis les légumes qui viennent d'à côté de Luché avec Michel le jardinier. Voilà, ça a bien plu l'année dernière, la convivialité est bien présente, donc ça nous a donné encouragé à revenir, et ça c'est grâce à vous justement, à tous les visiteurs qu'on a eu, et pas que visiteurs, parce que sur un marché il faut les acheteurs également, et c'est ce qui donne envie de recommencer. Et au-delà du marché, il y a en plus visite guidée et commentée de la ferme, le repas fait avec les produits des producteurs, et puis pour aller plus loin justement du côté du Festi, c'est pour ça que ça s'appelle Festiferme. Donc on a une randonnée de 2 km à travers champs où on partage la beauté du paysage qui est des alentours. Et puis un spectacle équestre médiéval assuré par l'AGEM, Association des Jeux Équestres Médiévaux. On leur a bien fait mordre la dernière. Sur nous en trois de ta meilleure. Vous arrivez à la caverne, monsieur. Derrière vous. On leur a bien fait mordre la poussière, ces maudits envois. Certains d'entre eux doivent se retourner dans leur tombe. Encore faut-il qu'il reste des envois pour les enterrer. Aujourd'hui, seule la boule leur sert de cercueil. De quelle dignité parles-tu? Est-ce digne de m'avoir encerclé avec une dizaine d'hommes? J'étais tout seul en embuscade? Mécréant! Celui qui est digne en voyant embusqué, c'est de m'avoir sauvé en m'avoir laissé une dizaine d'hommes de mon fléau d'armes! Tu les coups de bourse à deux! De quel roi, Maro? Tu étais où, toi, pendant que j'anéantissais la moitié de leur armée? Tu étais en train de batifoler dans les fougères avec un de leurs eunuques? Hein? C'est moi qui vais vous abrier la panse, bande de barriques. Que nenni, je vous vaincrai tous les deux, bouffons. Eh ben allons-y. Allons-y, on y va.
nouveauté, même inédit en Sarthe, parce que il me semble que c'est la première fois qu'il y en a en Sarthe un arc trap. Voilà, tout le monde connaît bien le bal trap. Donc là, c'est à l'arc. Mais à ce niveau-là, là, il est impératif que le bout d'index vienne à la commission de la lettre. D'accord. Mais les deux, vraiment d'abord le bras, tout le temps au maximum, on dit commission de la lettre, celui-là. Voilà. D'accord. Tu tournes la tête vers la corde un petit peu. Non, vers la corde. Là, tire un petit peu plus. Tire un peu plus. Tire un petit peu. Là. La pointe, là où tu veux te viser, tu mets la pointe. Là où tu veux viser. Je lâche. Et tu lâches la corde. Une fois que mais c'est pas le cas pour l'instant.